Merci de votre fidélité au programme de Guingamp TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce nouveau numéro, je reçois comme invité M. Faya François Bourno. Il est responsable communication et porte-parole du PEDN. Avec lui, on va parler d'actualité, des sujets majeurs du moment, entre autres notamment ce nouveau bloc politique qui doit voir le jour et le rôle que le PEDN a joué ou est en train de jouer dans cette nouvelle donne, puisque la réunion de ceux que certains appellent déjà des non-alignés s'est tenue au siège du PEDN. Et puis, qu'est-ce que le PEDN pense notamment de la prorogation du mandat des députés? Qu'est-ce que le parti pense également de la, si vous voulez, de la gouvernance Alpha Condé, plus spécifiquement des actions du gouvernement Kassori? De tout ça, nous allons parler dans cette émission. François Bourno, qui est déjà sur ce plateau des Cafés Débat, bienvenue Bourno. Merci. Et bonne année, puisque nous sommes aujourd'hui en début d'année, dans ce premier mois de janvier notamment. Mes meilleurs vœux à vous. Merci, mes meilleurs vœux à vous aussi et à tous vos auditeurs, téléspectateurs, n'est-ce pas, et à tout le personnel de la radio-télévision Guingamp. Merci surtout. Et l'exercice auquel je force tous les invités en ce début d'année à se livrer, c'est de tirer les leçons de la gouvernance Alpha Condé en 2011, mais avec la marque... 2018, avec la marque du nouveau gouvernement de Kassori qui aura passé au moins 9 mois au compte de 2018 aux affaires. Alors, qu'est-ce que vous retenez du bilan de ce gouvernement Kassori en 2018? Écoutez, je retiens que 2018 a été une année majeure pour notre pays. Mais en termes de leçons apprises, c'est que on note premièrement que le Premier ministre, chef de gouvernement qui a été nommé, n'a pas tenu à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple. Je me rappelle, dans son discours, il avait promis qu'il ferait une croissance à deux chiffres, qu'il allait dépasser la Côte d'Ivoire. Je me rappelle bien, il est venu réitérer ça devant le bureau politique du RPG, en disant qu'on fera au moins 10% de croissance en 2018. Malheureusement, la Guinée a enregistré la plus faible croissance sur les 3-4 dernières années. Il allait faire en sorte qu'on dépasse la Côte d'Ivoire en termes de croissance. Bien sûr. Et la Côte d'Ivoire, il a défini en 2 ans. Il a dit cette année, je vais faire une croissance, on fera une croissance à deux chiffres. Rappelez-vous très bien. Donc c'est un objectif déjà non atteint. Donc ça, c'est une leçon importante. Autre chose, c'est que nous sentons que le niveau de pauvreté est en train de s'aggraver dans le pays. Mais également, la cartographie même de la pauvreté est en train de changer. Aujourd'hui, on parle des questions migratoires et autres, parce que simplement, il y a des régions où, hier, on ne parlait, le niveau de pauvreté était très faible, mais aujourd'hui, le niveau de pauvreté est en train de s'aggraver dans ces régions. C'est le cas, par exemple, de la région forestière, qui était quand même, qui avait une moyenne très inférieure par rapport à la moyenne nationale. Mais aujourd'hui, la région forestière est en train de prendre le dessus en termes de croissance du niveau de pauvreté par rapport à certaines régions. Et vous verrez que les régions comme le Fouta, n'est-ce pas, le niveau de pauvreté qui était autour de 70%, c'est-à-dire que quand vous prenez 100 habitants dans les deux régions du Fouta, Mamou, Labé, il y a au moins 70 qui n'ont pas, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et vous voyez, ça c'est en termes de pauvreté monétaire comme en termes de pauvreté multidimensionnelle, ce qui est assez sérieux. 2018 aussi a été une année où le système éducatif qui doit être le socle du développement a été le plus bafoué, enterré. Parce que vous savez que l'ouverture des classes qui devait se faire en octobre, n'est-ce pas, n'a pas eu lieu jusqu'en 2019. Trois mois durant. Voilà, le secteur éducatif a été frappé par une grave crise. Sans compter qu'en début d'année 2018 déjà, le pays était dans une crise dans ce même secteur. En plus, d'autres secteurs aussi qui ont été affectés. On constate également que en 2018, le niveau de pauvreté s'est beaucoup, plutôt le niveau de chômage s'est beaucoup plus aggravé, contrairement aux chiffres annoncés par le ministre des Mines, n'est-ce pas, en parlant de 17 000 emplois créés dans le secteur minier, ce qui est faux. Et de 10 milliards de dollars d'investissement en 8 ans. Oui, ça. 10 milliards de dollars d'investissement. 10 milliards de dollars d'investissement. Merci d'ailleurs de sortir le mot. Ce n'est pas une performance en tant que telle. Mais qui investit? Pour eux, c'est le double
de tout l'investissement dans le domaine minier qu'il y a eu depuis l'indépendance. D'ailleurs, il se crée plus de problèmes en le disant. Parce que ce qui en, oui, bien sûr, ceux qui ont investi moins de milliards ont eu plus d'impact en termes d'emploi. Le régime Sékou Touré. Permettez-moi de vous parler de ce brillant régime de Sékou Touré. Au temps de Sékou Touré, mais les conditions de vie économique et sociale en Guinée étaient meilleures par rapport à toute la sous-région, voire même meilleures sur tout le continent africain, par rapport aux autres pays du continent africain. Au temps de Sékou Touré, les recettes minières étaient très bien gérées. Il y avait un contrôle, n'est-ce pas? Il y avait une véritable politique de redistribution des revenus. La sécurité était de mise. Au temps de Conté, nous sommes tous conscients qu'il y a eu beaucoup de pagailles dans l'attribution des concessions minières, dans la gestion des ressources minières. Mais il y a eu plus de transparence au temps de Conté, même au temps des militaires, qu'actuellement. Aujourd'hui, ce que je vous dis, est-ce que vous avez la convention, n'est-ce pas, le papier de la convention? Pourtant, il y a le code minier qui prévoit la publication de toutes les conventions. Est-ce que vous avez la convention de la SMB? Est-ce que vous avez ce papier? Est-ce que vous avez le papier de toutes les dernières conventions qui ont été signées? Vous n'en aurez pas. Ce que vous verrez, je vais vous dire, toutes ces conventions sont jointes, il y a des avenants qui les accompagnent. C'est-à-dire, vous aurez toujours la convention de base. Les avenants où il y a beaucoup plus d'enjeux, vous ne verrez jamais ces avenants-là. C'est la vérité que je vous dis. Bien. Et encore une fois de plus, dit qu'il y a eu 17 000 emplois créés dans le secteur minier, c'est du mensonge. Au-delà de ça, il y a des emplois, par exemple à Bokeh et autres. Mais est-ce qu'on doit se féliciter des emplois où le jeune Guinéen a 2 millions ou 1 500 000 comme salaire? Ça n'a pas de sens. Parce que le niveau de vie aujourd'hui moyenne du Guinéen est supérieur à la valeur monétaire que les Chinois donnent aux jeunes là-bas. Il y a plus de Chinois employés, c'est la question que les journalistes auraient dû poser au ministre des Mines. C'est-à-dire, il parle du volume d'emplois qu'il y a dans le secteur minier. Est-ce qu'il veut parler des emplois uniquement des Guinéens? Ou il veut parler des emplois mixtes? C'est-à-dire que si vous prenez les Chinois qui sont à Bokeh, il y a plus de Chinois employés, il y a plus de Chinois employés que des Guinéens. Alors, notre politique, est-ce que c'est au bénéfice des Guinéens ou c'est au bénéfice du monde entier? Pour nous, la priorité devait être les Guinéens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aussi, c'était la lutte contre la corruption, le détournement des deniers. Est-ce que sur ce terrain, vous pensez qu'il a récolté un petit peu de résultats positifs en 2018? Catastrophe, hécatombe, parce que dans ce secteur, il y a le plus grand recul que le pays est en train d'enregistrer. Je le disais tantôt, lorsqu'on veut lutter contre la corruption, il y a d'abord le cadre juridique qu'il faut concevoir, qu'il faut mettre en place. Et le cadre institutionnel qu'il faut également consolider. Maintenant, les actions, n'est-ce pas, qui viennent sont soutenues par ces cadres juridiques et institutionnels. Aujourd'hui, les textes pour la lutte contre la corruption présentent des limites majeures, d'où leur inapplication. Mais il y a l'argent, la loi, la lutte contre la corruption. J'en viens d'une certaine attribution de pouvoir. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, d'abord, c'est une agence qui n'a jamais fonctionné, pratiquement. Elle a fonctionné en 2014, où elle a révélé que, je crois que c'était 50 milliards ou 500 milliards de francs guinéens qui avaient été détournés. Mais depuis que l'agence a sorti ce rapport, elle n'a jamais eu 20% de son budget de fonctionnement. À plus forte raison, mener maintenant des enquêtes, situer les responsabilités et recouvrer les 500 milliards détournés. Et au-delà de ça, l'agence, dans les textes, on dit que 15% des revenus mobilisés par l'agence nationale sont versés comme prime d'encouragement au cadre de l'agence, ce qui n'est pas bien vu par les partenaires. À supposer qu'on recouvre 1000 milliards, ça vous fait déjà 15%, ça vous fait quelque chose de près de 150 milliards de francs guinéens. Toi qui luttes contre la corruption, tu prends déjà 15% de ce montant. Alors, qu'en est-il des services publics qui doivent être fournis au peuple? Donc ça, c'est au-dessus des tentations. Il y a généralement cette prime qui doit être versée. Mais 15%, c'est trop. Donc ça crée des conditions, ça rend très rigides les conditions d'opérationnalisation d'une telle structure. Au-delà de ça, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir, mais il y avait déjà des solutions, des débuts de solutions avant Alpha Condé. Il y a l'inspection d'État. Il y a l'inspection générale des finances. Il y avait le ministère du contrôle économique et des audits.
Depuis qu'Alpha est venu, c'est-à-dire à partir de 2013, la Guinée n'a plus eu de ministère chargé d'auditer la gestion publique. L'inspection générale des finances ne travaille presque plus. Mais ce qui est ridicule dans ce pays, c'est que les inspecteurs ou les contrôleurs qui doivent aller contrôler la gestion de l'État, aujourd'hui sont devenus des assistants des gestionnaires comptables et financiers dans les administrations. C'est-à-dire quand ils viennent, ce sont eux-mêmes qui font les États à la place du DAF, qui font les États financiers à la place du comptable, comme pour dire que, écoute, ce que tu as appris, on se partage et je t'aide à préparer les rapports, les états financiers. Bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ces institutions sont presque mortes. Donc, bref, si on veut lutter contre la corruption... Le compteur de Kassori en 2018, vous ne retenez rien de positif. Écoutez, Kassori est quelqu'un qu'on apprécie bien. Il a un bon profil d'économiste. Mais je pense que le contexte a réussi à l'influencer dans la gestion gouvernementale. Nous souhaitons qu'il s'en sorte, parce que personne de nous n'a envie aujourd'hui qu'un gouvernement échoue dans ce pays. Mais nous critiquons parce que si les bases et les résultats que nous voyons ne sont pas bons, nous sommes en, n'est-ce pas, nous sommes en demeure de les critiquer pour que les uns et les autres... Selon vous, il n'a produit aucun résultat positif le lendemain sur le terrain du dialogue social, dans la crise sociale, la gouvernance politique et économique, aucun résultat salutaire après 8 mois. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le lendemain de sa nomination, on a vu le limogeage de Paul Moussa, de l'autre, de l'OGC, et maintenant on voit le cas de la Lonagui. Si on veut lutter contre la corruption, pourquoi on n'installe pas la haute cour de justice qui est habilitée à juger les hauts commis de l'État? Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est comme si la lutte contre la corruption, c'est pour les petits et non pour les grands. C'est-à-dire que leur objectif ou leur stratégie de lutte contre la corruption, c'est pour protéger les grands qui mangent gros et de livrer, sacrifier les petits qui mangent petits. Bien. Donc, bref, vous ne retenez pas grand-chose de ces actions du gouvernement Kassori après 8 mois, donc au compte de 2018. Justement, en parlant de chasse aux délinquances économiques, financières, vous avez parlé du cas de la Lonagui. Le DG de la Lonagui démis de ses fonctions pour malversation financière par un décret du président de la République depuis mercredi, après bien entendu les observations, je crois, du chef du gouvernement Kassori lui-même, qui donc a demandé au président de démettre le directeur de la Lonagui. Est-ce que ça n'inspire pas confiance? Non, ça ne peut pas inspirer confiance. D'abord, en termes d'approche, quelles sont les pièces qui soutiennent, n'est-ce pas, que c'est seulement à la Lonagui, il y a des détournements. Qu'en est-il des autres services? Il y a un rapport qui avait été publié, à l'occasion duquel d'ailleurs, il y a eu l'affaire de Air Guinée, l'affaire des rails. Il y a des hauts commis de l'État qui avaient été épinglés dans ces rapports. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont à la présidence. Est-ce qu'on peut, faire tout ça en même temps? Bon, vous avez parlé du cas de l'OGC, de l'EGP, mais là, c'est la Lonagui. Mais quand les faits sont établis, je vous donne un exemple. Le cas de la SOGEAC, un rapport d'audit. Donc, qu'est-ce que vous dites déjà sur le cas de la Lonagui, où il a démis ce monsieur pour détournement, malversation de 27 milliards de francs guinéens? Mais c'est du cosmétisme politique. C'est du cosmétisme gouvernemental. C'est-à-dire on veut nous maquiller une situation qui n'est pas réellement ça. Bien. N'est-ce pas? Il y a des cas les plus avérés. Comme je vous disais, il y a le cas de l'aéroport, la SOGEAC, où un audit international a été mené avec un cabinet indépendant, n'est-ce pas? Les faits ont été constatés. Maintenant, pour adresser le dossier, on prend un décret, on dit « viens à côté de moi à la présidence ». Ça, c'est pour vous dire que ça, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas poursuivre. Maintenant, ceux qui ont des incompréhensions avec les hauts commis de l'État actuel, eux, non, on dit « non, il faut les livrer ». Nous pensons que ça ne marche pas comme ça. On ne doit pas gérer un État de cette façon. Si nous voulons la transparence dans la gestion, nous voulons lutter, n'est-ce pas, contre les délinquants économiques et financiers, il y a des manières, des méthodes, d'ailleurs, déjà appliquées par le gouvernement de consensus en 2008. Vous avez tous suivi ici les opérations d'audit menées par des cabinets sous la coordination du ministère du Contrôle et de l'Inspection d'État. Ce rapport d'audit avait fait l'objet de publications à votre niveau, la presse,
Et les gens, vous vous souvenez, à l'époque, toucher à quelqu'un comme Mamadou Sylla, mais c'était toucher à Dieu. Mais Mamadou Sylla a répondu de ses actes. Il a fait la prison. Bien. C'était dans le cadre de l'exécution, n'est-ce pas, mais des recommandations du rapport d'audit et du contrôle qui avait été effectué. Mais ce cas de la Lonagui, peut-être peut, je veux dire, c'est le troisième cas quand même, depuis que Kassori est là. Vous pensez que ça ne peut pas tout de même amener à apporter une certaine confiance, non, si les bases, à rassurer si, Michel Houry, si les bases les sont les... claires, si les bases de suspicion ou de sanction sont claires, vérifiable par tout le monde, nous parce apprécions. Mais si. Cette fois-ci, il paraît que c'est un rapport d'État qui a. Heureusement, vous-même, vous dites il paraît. Mais oui. Voilà. Parce que, alors, parce que je vais vous dire une chose. C'est les médias qui mettent sur la place publique certains détournements. Mais cette fois-ci, c'est le. Alors là. C'est Kassori qui a pris la mesure de, faire mener des enquêtes et qui a épinglé ce monsieur de la Lonagui. Moi, je vais vous faire aussi un procès contre vous. Je crois que c'est la loi 014. Qui porte sur la liberté de la presse, cette loi autorise les journalistes à aller désormais dans tout service public demander des informations. Et d'ailleurs, cette loi dit que n'importe quel gestionnaire ou haut commis de l'État, public, si un haut commis refuse de vous donner l'information, il est poursuivable au pénal. Ça veut dire que désormais, vous ne devez plus nous dire. Il paraît. Non, mais vous devez nous relater ce qui est fait et qui est constaté. Nous avons accès à cette information. C'est pour vous dire que, en réalité, je ne défends pas quelqu'un. Je souhaite que tous ceux qui ont détourné, n'est-ce pas, puissent être arrêtés, poursuivis, jugés, condamnés et qu'on les mette en demeure de rembourser. Bien. Parce que n'oubliez pas, détourner 1 million, c'est tuer 10 Guinéens, ou voire même 100 Guinéens. Pourquoi? Parce que l'argent que tu détournes devait être utilisé pour construire un dispensaire dans un village. Le fait que tu as détourné cet argent, ce village n'aura plus de dispensaire. Quand une femme tombe malade dans ce village, le temps de rejoindre un autre village ou une ville où il y a le dispensaire, elle peut mourir en route. Les femmes en grossesse ne sont pas soignées parce qu'il y a des individus qui s'accaparent d'une bonne partie de ces ressources. Donc pour vous présenter un peu... le danger de la corruption, le danger des détournements des deniers publics. Ce danger-là nous interpelle. Nous sommes pour la bonne gouvernance, nous sommes pour des opérations saines de lutte contre la délinquance économique et financière. L'une des personnes qui a été très brillante dans ce genre d'opération, c'était M. Traoré Victor, qui a été à l'ORDEP. Vous savez qu'il y a eu des gens qui ont été épinglés à l'époque, aujourd'hui, qui sont encore nommés par le président de la République. Pourtant, ces personnes étaient censées rembourser les deniers qu'ils ont détournés dans le passé. Nous avons beaucoup de personnes comme ça qui ont mené ce genre d'opérations. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont d'ailleurs la cible de tout le monde dans ce pays. Bien. Je vous parlais du cas du gouvernement de consensus qui avait mené vraiment des audits les plus sérieux de ce pays. Qu'en est-il des personnes qui devaient être épinglées dans ces opérations? Aujourd'hui, celui qui est à la Banque centrale, devant Dadis, qu'il faut d'ailleurs saluer aussi de passage, parce que le président Dadis avait pris à bras le corps, n'est-ce pas, la lutte contre la délinquance économique et financière. Mais toutes les personnes qui s'étaient engagées à rembourser l'argent qu'ils ont détourné au temps de Dadis, et devant Dadis, devant le peuple de Guinée, et en toute honnêteté, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont à la primature, à la présidence de la République, à la tête des régies financières, n'est-ce pas? Donc, alors, ça veut dire que on est en train... Le talent de lutte contre la corruption. Mais malgré qu'il y a 3 cas de dossiers dans, par l'action de Kassori, vous n'en êtes pas... C'est 3 cas de dossiers. Pourquoi le procès contre les Paul Moussa Diawara s'enlise? Pourquoi ça s'enlise? Parce que simplement, les conditions préalables pour parvenir à la décision prise n'étaient pas totalement réunies. Bien. Donc le cas de la Lonagui, vous n'êtes pas trop assuré? Non, on n'est pas assuré. C'est un règlement de compte. Bien. On verra la suite de toute façon. Sans remettre en cause... que le PDN adhère à toute politique et à toute mesure visant à lutter efficacement et en toute indépendance contre la malversation, la délinquance économique et la corruption dans notre pays. Si ce n'est pas des cas de règlement de compte, comme vous l'avez dit. Exactement. Alors donc, en parlant de règlement de compte, peut-être que vous voulez faire cas à des rumeurs qui disaient que, en fait, entre ce monsieur de la Lonagui, et ce Diawara et le premier ministre, le torchon a toujours brûlé, donc vous pouvez y voir là une torchon. Je ne l'ai pas connu dans le passé, je ne vais pas rentrer dans cette spéculation.
nous nous parlons sur des principes. C'est pourquoi je dis, si le Premier ministre, il veut afficher sa volonté de lutter efficacement contre la corruption, qu'il fasse tout pour que dès les semaines prochaines, qu'on ait l'existence de la Haute Cour de justice. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ait la Haute Cour de justice qui existe. S'il veut lutter contre la corruption, que la loi sur la lutte contre la corruption puisse se doter, n'est-ce pas, des textes réglementaires. Bien. Parce que sans texte réglementaire, la loi ne peut pas être appliquée. Bien. Et deuxième autre chose, s'il veut lutter efficacement contre la corruption, mais qu'il réhabilite l'inspection d'État et qu'il réhabilite l'inspection générale des finances. C'est-à-dire qu'il faut réactiver les services de contrôle. Il faut équiper les services de contrôle. Il faut créer des conditions pour que les contrôleurs économiques et financiers, les contrôleurs d'État, puissent jouir de leur statut d'indépendance et que les moyens opérationnels leur soient remis pour que vraiment ces services-là puissent exécuter le travail qu'ils doivent faire. Ça, c'est une partie. Ça, c'est peut-être dans la gestion des régies. Mais la corruption, dans la chaîne de mobilisation des recettes, qu'est-ce que nous disons par rapport à ça? Bien. Les impôts sont devenus, n'est-ce pas, le service de financement de la campagne du RPG arc-en-ciel. Ah bon? Ce n'est plus caché. Aujourd'hui, je vous le dis, et c'est vérifiable, je souhaite que Ganga envoie une équipe à la Sogipa. Aujourd'hui, Sogipa, qui était restée l'une des seules entreprises d'État, est en situation de quasi-faillite. C'est-à-dire une situation de quasi-faillite, parce qu'aujourd'hui, le financement des élections législatives de 2013, le financement des élections présidentielles, la Sogipa a été d'un grand apport. Bien. Et pour cela, aujourd'hui, l'équilibre financier de l'entreprise est complètement phagocyté. Bien. Vous parlerez également, on va parler, parce que c'est un dossier vaste, la surfacturation des marchés publics. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été payés pour des services à faire, c'est-à-dire des gestionnaires, des dirigeants de PME, c'est-à-dire leurs sociétés ont été payées, les services n'ont jamais été livrés depuis 2013. Est-ce que vous savez qu'il y a des opérateurs, d'ailleurs le cas d'un opérateur le plus illustratif, qui paye sa facture d'électricité en fourniture de Coca-Cola au service public de l'État, c'est-à-dire au ministère. C'est-à-dire au lieu de payer, exactement, au lieu de payer la facture, il livre des bouteilles de Coca-Cola, des boîtes de Coca-Cola dans les ministères. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, déjà d'ailleurs le plus beau exemple ou le plus bel exemple, c'est vos voisins, le chantier en cours de construction, la tannerie, c'est-à-dire cette centrale thermique. Vous comprendrez que ce n'est pas la seule, hein. Il y a deux autres, il y en a trois. Le système, c'est quoi? Et ils vont vendre le courant à l'EDG à 1,7 et l'EDG vend à 1,5. Est-ce que vous comprenez? Parce que simplement, et après, l'État aussi dit oui, il faut qu'on subventionne l'électricité parce que l'EDG n'arrive pas à recouvrer les factures, n'est-ce pas, les montants des factures, donc il faut subventionner pour que le courant soit donné. Même ce système de gaspillage, parce que c'est bien organisé, il y a une rétrocession qui est versée, n'est-ce pas, de la part de ces constructeurs de ces centrales, à certains hauts commis de l'État qui sont complices de l'attribution des marchés à ces... Au moment où on nous dit, oui, il y a Swapiti bientôt qui va être lancé, qui fait près de 500 MW, qu'à l'État 240 MW, ça nous fera quelque chose de près de 750 MW. Je pense qu'avec ça, la demande de Conakry sera suffisamment couverte. Au même moment, on est en train de s'engager dans des dépenses inutiles pour la construction des centrales. Je dis inutile, c'est pas parce que le courant à fournir il est inutile, mais c'est parce que le choix n'est pas judicieux. Il ne construit pas les bases d'une efficience économique et financière. C'est pourquoi même les personnes qui sont à la base de l'organisation de ces marchés, ils doivent être poursuivis. Bien. Pourquoi ils font ces choix? Pourquoi on les rétrocède ces montants? Est-ce que vous savez que le dossier Kalita, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont construit des universités privées connues par l'État sur la base des commissions versées par des Chinois dans la construction du barrage de Kalita. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui ministres. Ministres, par exemple. Je vous donne des informations. Vous avez une loi qui vous autorise à accéder à l'information.
Je pense que c'est aussi un exercice à fournir par vous. Bien. Je souhaite que la prochaine fois, c'est vous qui me donniez des noms. Il n'y a pas de souci. Plein de dossiers donc à dénoncer dans le cadre de la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, les passations illégales de marchés publics, comme il le disait tout à l'heure. En tout cas, le cadre de la Lonagui qui fait date et qui, on va dire, est sur la table depuis le mercredi, on suivra là-dessus. Pour terminer cette première partie d'émission, on va parler de la prorogation du mandat des députés. Le PEDN, c'est ce parti qui a refusé d'envoyer ses députés à l'Assemblée durant toute la mandature parce que vous n'étiez pas content des résultats des législatives de 2013, même si un ou une de vos députés a décidé d'aller elle-même bénéficier de la voix des citoyens, comme elle l'a dit. Et qui a été exclue du parti. Qui a été exclue du parti, en fin de compte. Et donc, aujourd'hui, le mandat est terminé. On était dans l'embarras. Du genre, est-ce qu'il faut partir ou qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, entre-temps que le président décide de proroger le mandat des députés en leur disant de rester le temps qu'on organise les élections législatives et que ceux qui doivent les remplacer viennent prendre leur place. Et vous dénoncez cette procédure. Non, ce n'est même pas la procédure que nous dénonçons. Nous dénonçons le fait, c'est-à-dire c'est anormal dans un système démocratique que le fonctionnement du pays se résume au président de la République. C'est lui qui dicte tout, il promulgue les lois, il adopte les lois, parce que s'il n'y a pas d'assemblée, il est obligé de gérer par ordonnance, pour certains cas. Et n'est-ce pas, c'est lui qui est aussi le pouvoir judiciaire. Ça ne marche pas en démocratie. Le principe de séparation des pouvoirs doit être observé. C'est pourquoi en 2013, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des élections législatives de 2013. Nous avons dit, et nous l'avons rappelé, tous ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, ils sont tous conscients que l'élection de 2013 n'a pas été une élection, ça a été la sélection des individus pour leur dire « Venez, nous allons comploter ensemble pour qu'aucune élection législative ne soit organisée jusqu'à la fin du mandat. » Tous ceux qui sont à l'Assemblée ne sont pas là-bas pour représenter le peuple et défendre les intérêts du peuple. Ils sont là-bas parce que on paye 25 millions par mois, on paye 500 000 francs chaque session, n'oubliez pas. Et la session, par exemple, des lois dure 3 mois. Donc ça fait environ 90 jours. Chaque jour, tu viens, tu sièges, tu as 500 000. Ça, c'est sans compter ton salaire, sans compter tes primes de carburant, sans compter les autres avantages en nature. Vous vous souvenez que la première semaine de leur prise de fonction à l'Assemblée, le premier débat posé, c'était les passeports diplomatiques pour leurs épouses et leurs enfants. Et qui étaient venus ici pour défendre les intérêts de toute la population. Donc, ce que vous dites, le député a 3 missions. La mission de représentation, c'est-à-dire représenter le peuple à l'hémicycle. Les mandats. Voilà. La mission d'élaborer les textes de loi et de les adopter. Et la troisième mission, c'est la mission de contrôle a posteriori de la gestion de l'État. C'est-à-dire, tout ce que le gouvernement gère en termes de ressources, l'Assemblée doit être en mesure de contrôler si effectivement ce qui a été décaissé a été utilisé pour ce qui a été prévu. Est-ce que pendant toute la législature, vous avez eu accès à un rapport d'enquête parlementaire? Il n'y a pas eu d'enquête parlementaire. Il y a des députés, alors que tu es payé députés, pour ça. Non, il y a quand même des députés de l'opposition qui se défendent comme quoi ils ont toujours été à l'initiative de certaines enquêtes parlementaires, mais la majorité ne leur a pas permis ça. Alors, si c'est comme ça, est-ce qu'il t'a dit que ces missions parlementaires partent sur le terrain? Justement, donc, est-ce qu'on doit leur en vouloir? Est-ce que justement, celui qui vous le dit, il a son représentant dans le bureau? Le bureau exécutif de l'Assemblée est composé par les représentants de tous les groupes parlementaires. On en est tous conscients. Les groupes parlementaires, certains sont même présidés par des députés de l'opposition, d'autres par des députés de la mouvance. Donc, personne ne peut nous dire que c'est le bureau qui a refusé, parce qu'ils sont dans ce bureau. Ça, c'est une chose. Mais c'est faux. Est-ce qu'il vous a dit, alors, puisque j'ai 3 missions, puisque je n'arrive pas à contrôler, alors je divise mon salaire par 3 et je cède le tiers. Il ne vous l'a pas dit. Est-ce qu'il vous a dit je cède à tel avantage parce qu'on ne m'a pas permis de faire cette fonction? Moi, en tant que député, on m'empêche de faire, que le bureau ne m'autorise pas. La loi me permet quand même d'aller interroger les gestionnaires de services publics pour rendre des comptes. J'aurais mené ces missions et j'aurais rendu compte, même les médias en seraient informés. Bien. Ça n'a pas été fait.
Souvenez-vous quand mon président, le président Lansana Kouyaté, était premier ministre, quand il a fait des choix sur certaines opérations, les gens parlent BNP Paribas, ainsi de suite, mais il y a eu combien de missions d'enquête parlementaire? C'est pour vous dire que même au temps de Conté, la démocratie était plus respectée que maintenant. Bien. Parce qu'au temps de Conté, l'enquête parlementaire était permise. Bien. Mais au temps d'Alpha, il n'est pas permis à un député de mener une enquête parlementaire. Donc, c'est déjà, grave dans un régime. À partir de là, vous pensez qu'il ne fallait rien attendre de ces députés? Mais il ne fallait rien attendre, mais les députés ont dit que oui, c'est de la responsabilité du gouvernement d'organiser les élections. Donc s'il n'y a pas eu d'élection jusqu'à l'expiration du mandat, on est d'accord, le gouvernement, il est responsable. Mais il a aussi des complices. Ses complices, c'est tous les députés qui siègent à l'hémicycle. Et ceux qui seront encore complices à l'extrême, c'est ceux qui vont continuer à siéger. Parce que le débat actuel, vous parlez avec certains députés, ils vous disent, mais si on ne siège pas, Alpha va amener ce qu'il veut et ça va passer. Mais la question à poser, et même ils vous disent, ils n'ont pas pu faire passer des ordres de mission pour mener des enquêtes parlementaires. Celui qui n'a pas pu avoir un ordre de mission pour mener une enquête parlementaire, est-ce qu'il lui, il peut empêcher, n'est-ce pas, une velléité de modification constitutionnelle? Bien. C'est pour vous dire que ce que les gens vous disent et les choix qu'ils ont faits, c'est deux choses différentes. Donc, décider... En réalité, tous ceux qui sont à l'hémicycle sont complices de la non-organisation des élections au temps qui était consacré nécessairement pour l'organisation de ces élections. Et, donc... et leur volonté, ils ne sont pas allés pour rendre service au peuple, ils sont allés pour rendre service à leur poche et à leur famille. Donc s'ils décident de rester... pour bénéficier de cette prorogation, sous prétexte qu'il faut rester là et veiller au grain et jouer ce rôle de contre-pouvoir à l'Assemblée, vous pensez que c'est... ils le font toujours pour leur intérêt, mais c'est mais pas bien pour sûr, quelqu'un qui a fait 5 années, il a eu un mandat de 5 ans, il a travaillé pendant 5 ans, il t'a dit j'ai fait des propositions, ça n'a pas pu passer. Comment lui, il peut dire en 6 mois, parce que la prorogation quand même, on doit faire en sorte que ça ne dépasse pas 6 mois. En tout cas, c'est indéfini. Comment ils peuvent vous dire que ce n'est pas indéfini? Jusqu'à la tenue des élections. La date n'est pas déterminée. Oui, ça veut dire que c'est indéfiniment jusqu'à la tenue des élections. Oui, nous allons travailler pour que, n'est-ce pas, ces élections soient organisées en moins de 6 mois. Bien. Ça, il faut le faire. Maintenant, donc, celui qui n'a pas pu le faire en 5 ans, comment il peut le faire en 6 mois? Donc, ça, c'est du côté des députés. Maintenant, qu'est-ce que vous entrevoyez derrière la démarche du président de la République qui a décidé de proroger? Il y en a qui pensent qu'il est en train de se trouver un argument pour d'autres scénarios qui vont concerner son mandat à lui. Est-ce que vous entrevoyez cela aussi? Écoutez, souvent, on aime assimiler cette situation à un outil qui est souvent utilisé en économie du travail pour interpréter la concurrence entre des entreprises. C'est-à-dire que deux entreprises concurrentes se disent que oui, moi je décide de ne pas former de personnel ou d'aller recruter sur le marché, j'attends que mon concurrent forme de bons ingénieurs et je vais débaucher ces ingénieurs. Donc tu vois, donc chacun il s'observe et ça leur permet de bâtir des stratégies concurrentielles. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur Alpha Condé, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Il a un agenda caché par rapport à un tripatouillage constitutionnel. Il y a un coup de force constitutionnel. Là, cet agenda, il est lisible chez lui, il est perceptible à travers tout ce qu'on est en train de constater et de vivre. Alors derrière cela, il s'est dit, écoutez, je vais le faire, je vais dérouler mon agenda, mais tout en endossant la responsabilité sur le dos de mes adversaires politiques. Et pour cela, il dit, je vais choisir délibérément de les orienter sur un combat qui n'est pas le vrai combat. Parce que le vrai combat, c'était de faire en sorte qu'on organise les élections à date. Mais durant tout ce temps, et c'est l'une des raisons qui a fait qu'on a quitté le groupe de l'opposition républicaine, nous avons dit toutes les grandes écoles politiques de sciences politiques enseignent qu'il faut éviter que ton adversaire te définisse toujours un périmètre et mener le combat dans ce périmètre. Toi aussi, bats-toi à avoir un périmètre dans lequel tu vas l'entraîner et vous allez vous battre là, parce que c'est toi qui as défini le périmètre et tu auras plus d'avantages. Mais on a toujours joué dans la stratégie d'Alpha et c'est ce qui arrive maintenant. Il dit en prorogeant le mandat des députés, il y aura deux cas. Le premier cas, c'est quoi? Soit ils décident de rester, au cas où je dirais, ok, en 2020, je n'organise pas d'élection. Et qui va crier, c'est mes adversaires politiques. Quand ils crieront, je leur dirai, ah bon, donc ce gâteau, il est très beau à goûter. Il est amer quand c'est l'autre,
Et il est doux quand c'est vous qui le goûtez. Donc, vous avez accepté la prorogation du mandat. Ça vous a servi de perdième à l'Assemblée. Vous n'avez rien dit. Maintenant, je veux organiser les élections peut-être en 2023 et vous voulez crier. Donc, et ça, vous savez, le peuple, avons une population majoritairement qui n'est pas allée à l'école. Mm-hmm. Les gens diront, ah, Alpha Nanondi. Tu comprends, non? Et derrière, quand aujourd'hui, ils décideront de quitter, c'est quoi le risque? Beaucoup ne vous le diront pas. Aujourd'hui, si les députés de l'Assemblée quittent, la loi permet, lors de la prochaine session des lois, la session suivante, que ce soit la session des lois ou la session budgétaire, au président de l'Assemblée nationale de constater leur démission et d'appeler les suppléants. Vous avez des partis politiques où les suppléants ne sont plus membres du parti, ils ont démissionné, ils sont au RPG. Vous avez des partis où les suppléants, c'est des gens qui aujourd'hui tirent le diable par la queue, ils n'ont même pas 10 000 francs par jour. Tu dis à ce suppléant, ton titulaire a démissionné, viens à l'Assemblée. Mais vous pensez qu'il va refuser? Mais ils viendront. Alors ça veut dire qu'ils vont aller légitimer la nouvelle Assemblée. Ça ne sera pas illégal. Et ça ne sera pas illégitime. Ça sera non seulement légal, ça sera aussi illégitime. Pour éviter ces pièges, le PDN a dit à l'opposition en 2013, tenez bien, c'est un piège. Nous avons décidé de ne pas siéger. N'allons pas à cette Assemblée. Parce qu'à l'époque, si on ne siégeait pas, aujourd'hui, Alpha aurait dû simplement, sûrement appeler les suppléants. Et à l'expiration de ce mandat-là, avec le choix de proroger le mandat, la deuxième option deviendrait obsolescent, caduque. Parce que simplement, il n'aurait pas eu de suppléants, n'est-ce pas, pour remplacer les titulaires. Donc l'opposition aurait mieux brillé en quittant. Parce qu'il n'y aurait eu aucune... Par ordonnance aussi qui a été... Mais si vous délibérez, c'est un risque pour notre pays. J'entends beaucoup de juristes en parler, mais c'est un risque majeur. La Guinée aujourd'hui a un plan de développement économique et social, le PNDS, où les partenaires qui nous accompagnent dans notre élan de développement, ils se sont engagés à nous donner plus de 23 millions d'euros. Ça, c'est la conférence qu'ils ont organisée en novembre, je crois que c'était novembre 2017 à Paris. Donc il y a 23 millions d'euros sur la table pour financer le PNDS. Milliards d'euros pour financer le PNDS. Vous pensez que les partenaires là vont donner cet argent lorsqu'un pays est dirigé par ordonnance? Non. Donc si on fait aussi le choix de conduire le pays par ordonnance, les conséquences seront encore beaucoup plus catastrophiques. Donc, c'est toute une nébuleuse. C'est comme si on tombait dans une situation de transition où vous coupez les relations avec les partenaires au développement, vous n'avez plus d'appui. Et certaines institutions se méfieront de vous. Bien. Donc, une spirale comme ça va se dessiner. Toute une nébuleuse. En tout cas, ce qui reste clair, le seul qui a décidé de quitter l'Assemblée, c'est Ousmane Kaba. Pour l'instant, l'UFR, à travers son... Et initialement, le PDN déjà avait refusé de siéger. C'est un autre cas, depuis 5 ans déjà. Oui. Et donc, on verra la suite, puisque je l'ai dit, le groupe parlementaire, les Républicains, d'où il y a l'UFR et ses amis, pour l'instant, ne sont pas trop clairs, sauf que le groupe libéraux-démocrates, eux, vont rester. On va observer la pause dans cette émission et après 10 minutes chrono, nous passons aux deux autres sujets qui restent, notamment la désignation des représentants de l'opposition à l'Assemblée et le nouveau bloc politique en vue dans l'opposition. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité sur ce plateau.
Faya François Bruno, responsable communication du PEDN et porte-parole justement du parti. Vous l'avez compris, on a abordé tous ces sujets dans la première partie. Action du gouvernement Kassori, le bilan, il peint le tableau tout en noir, vous l'avez vu. Et donc la Lunagui, le DG épinglé par un rapport d'État pour malversation financière, notamment 27 milliards de francs guinéens. Et puis la prorogation du mandat des députés, vous avez compris la position du PEDN autour de tout ça. Maintenant, on va parler de la CENI parce que c'est les sujets qui se suivent. Évidemment, aujourd'hui, la CENI existe finalement, la nouvelle bien sûr. Les membres ont prêté serment. Le PEDN est représenté et c'est un commissaire. Ce que je veux savoir, c'est comment vous avez fini finalement par vous faire votre place au sein de cette CENI. Parce que dans un premier temps, il y a eu des bisbilles, il y a eu des calculs au regard des critères définis pour le choix. Et si on voyait les chiffres, il y en a qui disaient que le PEDN aurait zéro commissaire, donc vous n'auriez même pas pu avoir un commissaire à la CENI. Finalement, vous êtes entendu, vous avez eu un, l'UFR 2 et puis l'UFDG 4. Comment c'est arrivé la discussion jusqu'à ce que vous vous êtes entendu en fin de compte? Écoutez, en réalité, le PEDN ne s'est pas mêlé dans une discussion pour... Il y a une réunion où on est... D'abord, on est représenté parce que la loi nous permet d'être représenté à la CENI. Ça, c'est une première précision. L'article 6 de la loi sur la CENI dit que pour avoir un représentant, il faut, un, participer aux deux dernières élections nationales. Deux, il faut avoir au moins deux sièges à l'Assemblée nationale. Nous avons participé aux deux dernières élections nationales. Nous avons deux sièges à l'Assemblée. Donc, on satisfait aux critères, aux conditions d'être représenté à l'Assemblée nationale. Maintenant, à la CENI plutôt. Maintenant, la question, c'est combien de représentants nous devons avoir. Donc, ça veut dire que tous ceux qui remplissent les deux critères de l'article 6, ont droit au moins à un commissaire. Au moins à un, parce qu'ils ont satisfait. Maintenant, c'est de se répartir les sept. Puisque il y a trois partis politiques de l'opposition qui remplissent les critères de l'article 6, et il y avait sept postes à partager. Très théoriquement, et même c'est-à-dire de façon la plus simple, le partage c'est quoi? C'est que d'abord chacun prend un. Il va rester quatre. Maintenant c'est la répartition des quatre où on dit qu'il faut appliquer le prorata en fonction des résultats des élections nationales. Entre parenthèses, présidentielles au singulier, ça c'est ce qui est écrit dans la loi, et législatives au singulier. Alors, au présidentiel, ça ne pose pas de problème parce que c'est un seul scrutin pour élire le président de la République. Mais quand on écrit législative au singulier, ça veut dire qu'il y a un scrutin qui saute et c'est normal. Pourquoi? Parce que les législatives ont deux scrutins. Il y a le scrutin uninominal qui n'est pas une élection nationale. C'est une élection locale. Parce qu'on désigne le représentant de la localité à l'hémicycle. Mais c'est la liste proportionnelle qui correspond ici à l'élection nationale. C'est pourquoi on avait mis législative au singulier. Donc on ne peut pas additionner les scores de l'uninominal au score de la proportionnelle et au score des présidentielles. Tous les partis qui ont fait des calculs, zéro ceci, formule cela, ils ont fait le choix d'additionner ces deux. Mais c'était une erreur. Ils sont allés jusqu'à dire, par exemple, l'UFR qui a 10 députés à l'Assemblée, donc ça veut dire l'UFR vaut 10 fois que le PDN. Alors, l'UFR a 10 députés à l'Assemblée, dont 5 uninominaux et 5 sur la proportionnelle. Donc si on part sur la base de la proportionnelle plus les élections présidentielles, vous voyez que la donne change parce qu'ils perdront 5 députés. Bien. Est-ce que vous comprenez? Donc tout le calcul que vous avez vu, c'était encore vraiment du cosmétisme médiatique. C'était des faux calculs. Je vous donne ce que la loi dit. Bien. À vous d'apprécier. Bien. Et nous avons des téléspectateurs qui apprécieront. Bien. Certainement, certains lisent la loi. Mais vous comprendrez également que cette loi à l'Assemblée a été rédigée. C'était pour exclure le PDN dans le partage. Mais Brema Kondé l'a dit. Certains d'entre eux l'ont dit. Ils ont rédigé la loi pour que les deux parties de l'opposition à l'Assemblée se répartissent. C'est-à-dire l'UFR et l'UFDG. Bien sûr, se répartissent les sept. Bien. Malheureusement, les termes de la formulation ont fait que, eux-mêmes, en interprétant la loi, le PDN se fait d'office une place. Alors, justement, en parlant de la place de PDN, moi, je sens une confusion, je sens un paradoxe, quoi. Parce que le PDN, c'est ce parti qui a rejeté sa mandature, qui a rejeté ses sièges à l'Assemblée, vos deux députés. Maintenant, on dit à la CENI, pour qu'un parti politique soit représenté, il faut avoir
au moins 2 députés à l'Assemblée. Alors que vous, vous avez refusé de siéger. Pourquoi vous voulez, sur cette base-là, en considérant cela comme acquis, alors que vous n'avez pas siégé, vous avez voulu avoir cette place à la CENI. Est-ce que ça se comprend? Comment ça s'explique, je veux dire? Comment ça s'explique? Heureusement, nous au PDN, on a une école. L'un des formateurs dans cette école, c'est le président lui-même. Il y a des cours qu'il nous dispense, ça je vous le dis sérieusement. Et l'un des cours, et l'une des notions qu'il nous a toujours enseignées, c'est d'éviter de répondre à une question en détachant la question du contexte de la question. Nous avons fait le choix de ne pas aller aux législatives, de ne pas siéger à l'Assemblée. Il y a un contexte bien défini, que vous connaissez d'ailleurs mieux que nous. Aujourd'hui, nous avons un contexte particulier. Vous êtes dans un pays où toutes les institutions démocratiques n'existent presque pas. La seule qui existe, c'est le président de la République. La Cour des comptes, elle est mort-née depuis sa mise en place en 2014. Non, j'en viens. Institutionnel, oui, non, il faut le dire. Mais la CENI, non. Je veux que vous m'expliquiez. Je vous le dis. La CENI est une institution républicaine démocratique. Oui. On est d'accord. À partir du moment où elle est une institution républicaine, dans un système démocratique, vous ne pouvez pas faire la lecture de la seule institution en faisant abstraction des autres. Donc il faut apprécier le contexte institutionnel du pays. Lorsque vous appréciez... Oui, attendez, j'en viens. Vous m'avez posé une question, j'en viens, parce que ça dépend, je vous le dis. Le critère de choix ne parle pas de la Cour constitutionnelle ou de la Haute Cour de justice. On a répondu à la question du critère de choix. C'est l'Assemblée nationale. Votre question, c'est qu'on n'a pas siégé à l'Assemblée. Oui. Et maintenant, on choisit d'aller à la CENI. En prétextant de votre représentativité à l'Assemblée. Attendez. Ou des voix. C'est pourquoi, alors, vous-même, vous me rejoignez que je ne peux pas parler de la CENI en faisant abstraction des institutions comme l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est nationale. Les deux qui sont concernés là. Alors, donc, votre représentatif aujourd'hui, nous sommes dans un pays... doit vous donner le droit d'être à la CENI. Donc, il s'agit de l'Assemblée non. CENI. Alors, là, vous vous trompez d'analyse. Si vous prenez l'Assemblée nationale, il y a le suffrage que l'opinion vous accorde. Il y a maintenant le choix d'assumer, plutôt de siéger ou de ne pas siéger. Déjà, vous n'aviez plus deux parce que l'autre, non, elle est partie. Non. Elle est partie. Je vous dis, il y a le suffrage qu'on vous accorde. Il y a la décision de siéger. Elle est politique. Oui. Ce suffrage, il est souverain. Tu ne peux pas retirer cette souveraineté aux citoyens. Et c'est le citoyen qui nous a donné ses voix. Donc les deux, le quotient correspondant à un député. Donc nous avons eu deux fois ce quotient. Ça, c'est la volonté du peuple. Qui a choisi de nous attribuer cette confiance. Et maintenant, la décision de siéger, elle est politique. Nous apprécions le contexte, n'est-ce pas, pour voir, oui, faut-il aller ou il ne faut pas aller. Oui, vous n'êtes pas là, allé. C'est politique. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi le législateur, vous verrez que personne... Mais en réalité, est-ce que vous aviez deux, finalement, puisque dame, comment elle s'appelle vous n'avez pas oublié son nom, j'espère. Zalikatou. Elle est élue sur la liste du PDN. Elle n'est pas élue à son propre compte. Elle est exclue du parti parce qu'elle s'est inscrite contre une décision du parti. Mais elle est restée députée. Elle est restée députée. Maintenant, elle est députée. Est-ce que ça faisait un député de moins pour le PDN? Non, ça ne fait plus un député de moins. Non, vous avez deux, je vous dis que le suffrage, c'est le peuple qui le donne. Et le peuple ne retire pas ce suffrage. Bien. Non, en tout cas, moi, je voulais comprendre. Voilà. Je voulais comprendre. Mais on est aussi là parce qu'il y a un contexte institutionnel qui nous oblige à y être. Bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger énorme qui se présente au pays. Nous n'avons plus d'institutions. Il faut faire en sorte qu'on aille rapidement aux élections. C'est là où je veux qu'on en vienne maintenant. Ce que vous attendez de cette nouvelle CENI, évidemment, Salifou Kébé, qui donc est élu à l'unanimité, donc y compris par le vote de votre commissaire. Un, est-ce que vous avez peur que les mêmes syndromes reviennent, les mêmes syndromes de la CENI, c'est-à-dire que des commissaires qu'on envoie, 3 mois, 4 mois après, qui vont se couper de la base, même si c'est ce que la loi demande, mais que les partis politiques ne souhaitent pas, qui souhaitent toujours que ces commissaires soient leurs espions à la CENI. Est-ce que vous craignez ces mêmes syndromes, ces mêmes scénarios? Deuxièmement, est-ce que quand même vous avez une certaine confiance en cette configuration de la CENI avec Salif Kébé à sa tête en 30 secondes avant de passer au dernier sujet? Écoutez, pour l'instant, on a confiance en tout le monde. Tous, à partir du moment où on a choisi d'y être,
nous portons la CENI à entièrement notre quotient de confiance. Là, le bureau exécutif du national du parti, le président du parti, apporte sa confiance à toute l'équipe, la nouvelle équipe de la CENI. Toutefois, nous allons apprécier au fur et à mesure les actes qui vont être posés. Si elle viole la loi, nous dirons qu'elle a violé la loi. Si elle organise de mauvaises élections, nous dirons qu'elle a organisé de mauvaises élections. On va crier, on va les dénoncer et on va manifester contre eux. Bien. Donc ça n'a rien à voir. Pour l'instant, la CENI a la totale confiance du PDN. Le rapport maintenant entre les commissaires et la base, notamment vous, votre commissaire. Non, nous, pour nous, quand un commissaire prête serment, il devient commissaire de la République. C'est pourquoi on n'a jamais eu de problème avec nos représentants à la CENI. Il faut éviter les injonctions partisanes. N'est-ce pas, au sein de la CENI. Les anciens du PDN qui étaient là, c'était un ou deux ou trois, je sais pas. On avait un représentant, reconduit ou pas, ça c'est interne au parti. Je ne peux pas l'étaler sur ce plateau parce qu'il y a des règles qui définissent le fonctionnement du parti. On a lu les règles. Je comprends bien que c'est interne au parti, mais les reconduire, puisqu'ils ont déjà cumulé une certaine expertise, expérience en la chose électorale, est-ce que ce n'était pas bon que d'amener de nouveaux qui ne soient pas trop moulés dans l'organisation des élections? C'est pourquoi je vous dis, c'est pas la peine d'aller, parce que c'est une question d'école. Ça, c'est votre lecture. Bien sûr. D'autres vous diront aussi, dans une autre école, qu'il vaut mieux capitaliser l'expérience des anciens au sein du parti et accumuler de l'expérience en amenant un nouveau. Bien. Alors donc, au dernier sujet, là aussi, pour une minute, un nouveau bloc politique en vue dans l'opposition. On a vu cette réunion qui s'est tenue il y a quelques semaines, ou sinon une semaine, et c'était au siège du PEDN. Alors, qu'est-ce que le PEDN joue comme rôle dans cette nouvelle démarche aujourd'hui? C'est vrai que le nom n'est pas officiel, mais on nous parle du bloc des démocrates. D'autres aussi pensent que ce sera le bloc des non-alignés, puisque voilà, c'est soit des anciens collaborateurs d'Alpha Condé, en même temps de Serou Dalein Diallo, qui viennent au centre. Oui, qu'est-ce qui s'annonce avec cette réunion qui s'est tenue à votre siège? Est-ce que c'est Lansana Kouyaté qui est donc derrière cette démarche? Écoutez, pour l'instant, on ne va pas l'affirmer ainsi. Mais comprenez une chose, que le président Kouyaté, l'objectif du parti, et nous travaillons aujourd'hui résolument dans ça, c'est que 2020, le président Kouyaté sera élu président de la République de Guinée. C'est l'engagement dans lequel nous sommes investis actuellement. Nous multiplions beaucoup d'initiatives. Le travail du terrain, le lobbying politique, ça va avec des alliances, des concertations, des choix stratégiques. Donc il y a autant d'éléments dans la stratégie qu'on ne peut pas tout étaler ici. Mais ce nouveau bloc, effectivement, en cours de formation, pour l'instant c'est une phase de consultation. Nous sommes en train de continuer sur ça. Les leaders se parlent tous les jours, n'est-ce pas? Les responsables des bureaux exécutifs également parlent entre eux. Donc nous attendons, les prochains jours nous serons beaucoup plus édifiés. Mais la naissance de ce bloc est une nécessité. Nous savons tous qu'il y a un bicéphalisme politique qu'il faut combattre dans ce pays. Parce que ça présente des dangers. Qui est à l'origine de l'idée, le PEDN? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est à l'origine de l'idée. Vous savez, c'est tout à fait ordinaire que les partis politiques, de temps en temps, se consultent et tout. Donc c'est ce qui vous a amené à cela, c'est cette bipolarisation. Pas seulement ça, mais je vous dis toujours, regardez la gouvernance actuelle. Bien. Donc, elle est catastrophique. Pensez-vous que la Guinée puisse continuer dans une telle aventure? Il faut mettre fin à ça. C'est-à-dire qu'il faut militer, il faut lutter pour qu'on ait un régime politique qui puisse mettre en place des règles de gouvernance beaucoup plus favorables au développement, aux perspectives de développement économique et social. Pour que notre pays, les jeunes soient mis au travail, au lieu de passer du temps à utiliser, manipuler les jeunes par du mensonge, ainsi de suite, qu'on mette les jeunes et les femmes au travail. On dénonçait récemment, le PDN disait, le président de la République Alpha a dit qu'il veut que les ministres aillent communiquer sur sa gestion auprès des populations. Mais vous vous rendez compte que tous les ministres organisent leur communication dans les hôtels huppés de Conakry, avec des plats copieux, et ils disent qu'ils veulent parler au peuple. Magasouba vous dit qu'il a 17 000 emplois dans les mines. Mais il n'a qu'à aller dans les quartiers, dire aux jeunes, on a créé 17 000 emplois. C'est là qu'il saura
ce qu'il est en train de dire et les réalités sur le terrain. Bien. Ce nouveau bloc pour l'instant n'est qu'à la phase embryonnaire, comme vous l'avez dit. Le mode de fonctionnement n'est pas encore mis au goût du jour. La structuration, ça va tourner autour de quoi? Pour l'instant, c'est l'idée, c'est de créer une autre entité au sein de l'opposition plurielle et sûrement pour faire rupture avec la démarche de l'opposition républicaine, avec pour noyau l'UFDG, que vous, principalement du PLN, vous avez toujours dénoncé. C'est cela, c'est d'amener une nouvelle démarche de contestation. Mais, la gouvernance actuelle. Bien sûr, c'est une nouvelle démarche qui n'est pas du tout, contrairement à ce que certains pensent, qu'on est contre l'UFDG ou l'opposition républicaine. Non. D'ailleurs, c'est une voix de plus au sein de l'opposition. Bien. Donc ça ne fait que revigorer, n'est-ce pas, le combat que mène l'opposition guinéenne. Mmh. Donc nous continuerons sur les concertations. Le prochain jour, les gens seront beaucoup plus édifiés sur les objectifs, la composition, la structure et le mode de fonctionnement de ce nouveau bloc. Voilà. Pour l'instant, ce n'est autour de personne. Merci d'être passé, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et vous avez la salutation du président Lansana Kouyaté. Merci. Et il salue également tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.